Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on vous brasse, comme je vous ai dit, une Pilsner. On brasse avec notre ami Grandfathers. Puis, notre ami Chronicles. Alors, aujourd'hui, on vous fait une petite Pilsner qui date de 1840. La première recette a été créée en 1842. En Allemagne, évidemment. Puis, c'est une des premières bières blondes qui a existé. Parce qu'avant, à cause de la levure, les bières étaient un petit peu plus brunes. Les levures qui se trouvaient dans la bouteille, qui se retrouvaient aussi dans les fûts. Une Pilsner, c'est un type lager. Fait que vous avez vu mon fermenteur conique que j'ai ici. C'est justement pour ça. On va l'utiliser en même temps. Fait qu'on va vous montrer un peu avec la glace comment ça peut refroidir. On va prendre des petits échantillons une fois de temps en temps pour voir la performance avec juste de la glace au lieu du refroidisseur glycol qu'on peut acheter à part avec le Grandfather. Fait que ceci dit, on commence notre petite brasse. Super facile pour cette recette-là, on a pris 4,5 kg de Pilsner, Weirmann, puis 250 g de Carafon pour vous donner une belle demi de mousse. On va mettre des houblons un peu de type allemand, ça veut dire moi j'ai décidé de prendre du Saz puis du Pearl. On a mis notre eau, il y avait 17 litres d'eau qui nous demandait, 16 litres d'eau qui nous demandait. On va mettre notre mirin dedans, puis on commence la recirculation. On met notre couvert dessus. On enlève notre petit stopper. On rajoute notre couvert. On va replacer notre chose pour recirculer. On va passer l'application. Dans l'application, on nous disait de commencer notre mash, start mash. Ça recircule pendant 1 heure de temps. Fait qu'on va laisser recirculer. Puis on va prendre un petit test diode après notre heure. Vous savez qu'est-ce que j'aime de cette machine-là? C'est que pendant que je fais mon mash, je peux continuer à faire mes autres choses que j'ai à faire dans la boutique. Mais pour l'instant, je pense que je vais nettoyer le fermenteur pour qu'on soit prêt. Les Quick Connect, c'est si merveilleux. Je vais défaire mes valves. Fait que pour défaire la valve, c'est super facile. On a juste à défaire le track lamp qui est juste au-dessous. J'aime bien les laisser tremper dans le PBW. Par la suite, on va nettoyer le reste du stock. Pas plus compliqué que ça. On a fini notre mash-up, le test d'hier était positif. Ça veut dire qu'on va passer présentement au sparge. On prend le petit bras. On lève. Et on tourne de 90 degrés. On va s'assurer qu'il soit tout le temps bien placé sur nos pattes. Puis à cette étape-là, c'est vraiment primordial de ne plus y toucher. Moi, je dis déjà, j'ai fini mon sparge pour qu'il commence à chauffer plus rapidement. Fait qu'on commence le sparge avec 14 litres d'eau. Je vais tout le temps tranquillement par-dessus pour être sûr de bien y aller partout. Je mets 1 litre puis j'attends qu'il soit complètement descendu. Mon eau est à 80 degrés C. J'utilise mon gros système de brassage pour préchauffer mon eau pour le sparge. Il y a le hot water qui existe. Moi, je ne l'ai pas parce que j'ai déjà des grosses cuves que je peux utiliser. Puis j'utilise tout le temps mon petit 1 gallon. On y va tranquillement, on n'est pas pressé. C'est une partie vraiment importante. On finit le sparge, on commence à peser le houblon. On va rajouter 60 minutes pour le côté de la langue, pour l'amertume. On va rajouter aussi 15 minutes pour le goût et 5 minutes vraiment pour l'odeur et donner une petite touche là, plus houblonnée à notre pils.
par la suite, ben, on va refroidir. Pas oublier de l'enlever, sinon on va le perdre. Et puis, on le met ici. Moi, j'aime bien y remettre son petit couvert. Je mets tout le temps mon basket dans une autre petite chaudière. Comme ça, après ça, j'ai juste à prendre un sac, le mettre par-dessus, puis tout revirer en envers, puis tout est fait. Ça m'aide vraiment à pas faire de dégâts, puis c'est plus facile comme ça à ramasser le mash. Fait que mon petit sac est juste prêt ici. On le met par-dessus. On peut juste tout revirer dedans. Puis par la suite, on fait attention pour récupérer toutes les pièces qui peuvent être, qui peuvent avoir parti dedans. Comme le faux fond et notre petite gasket. Puis il reste juste à tout nettoyer par la suite. On est avec de mettre notre premier houblon en même temps, fait que... On écume pour ôter tout le brou qui reste. Et on va mettre notre premier houblon. Et c'est parti pour 60 minutes d'ébullition. Notre ébullition est finie, fait qu'on commence le refroidissement. Pour les besoins de la cause, j'ai mis mon immersion parce que l'eau est encore très froide ici. Le moteur est nettoyé, il va juste nous rester à tout transvider dedans. Houblon de 0 minutes. Comme la température de mon mash est de mon moût de bière est présentement à la même température que mon eau de refroidissement, on va transférer dans le Grandfather Conical, puis par la suite, on va partir tout de suite notre circulation avec l'eau froide pour justement essayer de descendre encore. Vu qu'on fait une lager, on va fermenter aux alentours de 10 à 12 degrés. On arrête la pompe. J'ai fait ça ici. Je passe tout le temps à travers. Je passe tout le temps à travers de mes tamis pour oxygéner mon mou et aider la filtration. Ouvre ça, ouvre la pompe. Et c'est parti pour le transfert de notre grandfather. Alors, on est rendu à 13.9, on a rajouté de la glace, ça commence à descendre. J'ai déjà pitché ma levure pour qu'elle commence à se multiplier plus rapidement vu que la température est un petit peu plus chaude. On va suivre la transformation vraiment de près. J'ai hâte de voir comment que la glace va fondre vite et la température. J'ai mis un petit thermomètre après ma glacière pour être sûr de bien contrôler ma bière. Aussi, notre test de gravité, on est arrivé à 12.1 plateau. Je suis un petit peu plus haut que ce que j'avais estimé. Fait que ça veut dire qu'on a sorti plus de sucre, que ce qui est pas si mauvais en tant que tel. On va avoir une bière un petit peu plus forte en alcool. Fait que c'est tout pour cette petite vidéo là. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Partagez en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. Puis la petite cloche, c'est à quoi ça sert? C'est pour rien manquer de ce que je fais. Commente si t'as des questions ou si tu veux partager quelque chose avec moi. Je suis tout le temps très content de vous lire en commentaire. Puis j'essaie de tout vous répondre le plus rapidement possible. Fait que à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Alors, à prochaine. À prochaine. On se revoit pour une autre vidéo. On est en fermentation présentement. Un peu de difficulté avec ma température. Je vais vous dire que c'est pas l'idéal avec de la glace. La façon que je l'ai fait, j'ai mis de l'eau et de la glace pour ma pompe. Et la glace fond vraiment vite. Surtout que c'est une lager. Fait que ça, faut que ça descende à 10 degrés. Fait que c'est un peu difficile. Prochain test que je vais faire, c'est grossir ma petite glacière que j'ai pris, mettre de la glace, mais mettre un seau d'eau en au milieu de la glace, que l'eau recircule tout simplement. Je pense que la glace va fondre moins rapidement, puis ça va vraiment aider, parce que la glace dans l'eau, ça fond crissement vite. Fait qu'on va faire une autre petite vidéo pour faire des nouveaux tests, puis on se voit à la prochaine vidéo. Hein? Au revoir!